Bonjour chers frères et sœurs internautes. Salut à tous ceux qui aiment l'histoire. Nous voulons finaliser la vidéo sur les royaumes de l'espace Sahih ou Asahi. Comme je vous le disais, il y a des Sahih qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ils sont dans le Moronou, dans la Nyi-Moronou, dans la sous-préfecture d'Andé. Alors, le dernier royaume Sahié dont nous allons parler, c'est le royaume Sahié Bakouaï. Alors, des trois royaumes Sahié, c'est celui qui a la dimension la plus petite. Comme je vous le disais, le royaume Sahié le plus important, c'est le royaume Sahié Wiosu. Alors, le lignage royal de Sahié Bakouaï est un lignage de clan Ekouana Ahene. Ceux qui vont regarder la vidéo pour la première fois vont dire, mais quel est ce mot-là? Qu'est-ce que le professeur Alou dit? Ekouana Ahene, c'est trop compliqué. Oh, c'est très simple. J'ai fait une vidéo sur les matriclans à Caen, sur les sept matriclans à Caen, avec leur nom aussi bien chez les Ashanti, disons ceux qui parlent la langue Kui, chez les Agni, chez les Nzema, chez les Aladjans, chez les Ébriers, etc. Chez les Abourés. Donc, j'ai fait ça. Donc, c'est pour ça que je dis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Professeur Alou Kwame René en entier. Professeur en entier Alou Kwame René. Et ça ne coûte rien. C'est simplement votre connexion. Vous vous abonnez et puis vous appuyez encore pour la cloche de notification. Comme ça, quand je fais une vidéo, bon, vous l'avez. Alors donc, je disais que le royaume Asahié ou Sahié Bakouaï est dirigé par un matriclan Ekouana Ahene. Et il est originaire de Fomena, dans la Dansé. D'ailleurs, beaucoup plus tard, pendant le règne du roi de la Ashanti Opoku-Ouaré, c'est lui qui va demander à ce que la Dansé soit un royaume unitaire. Et c'est ainsi que d'ailleurs, la famille royale de Fomena va devenir la famille royale de tout la Dansé. Et il est de clan Ekouana Ahene. Alors, ces Ekouana Ahene de Sahié Bakouaï, venant de Fomena dans la Dansé, ils ont séjourné sur les terres Amamfi. Et au moment de la guerre entre les Agni et les Ouassa, ou plutôt je dirais les futurs Ouassa Féassé, parce que par la suite, le Ouassa il y aura deux royaumes Ouassa, alors qu'anciennement, il y avait un seul royaume Ouassa qui était dirigé par un clan Assamankoma. Voilà. Et des réfugiés à Kouamou qui vont venir, vont se réfugier malheureusement et prendre le parti de la Ashanti quand la Ashanti est venue pour conquérir cette zone et finalement, ils vont créer le Ouassa Amamfi. Si bien qu'aujourd'hui, dans l'espace Ouassa, il y a le Ouassa Amamfi des anciens rebelles à Kouamou et puis le Ouassa Féassé. Voilà. Alors donc, cette famille qu'on a ruinée, venue de Fomena dans la Dansé, a séjourné dans la Manfi. Voilà. Et ils viendront donc s'installer d'abord dans le Sahié Wiosu. C'est ainsi qu'ils vont créer la chefferie de Ewumasu dans le Sahié Wiosu. Malheureusement, par la suite, ils vont avoir des démêlés avec la famille royale de Sahié Wiosu. Ce fut autour de 1782. Et ce conflit avec la famille royale du Sahié Wiosu était tellement grave que le roi des Ashanti, Osei Kwadjo, a dû intervenir. Parce que le Wiosu-Hene, ou le roi de Sahié Wiosu, ne voulait plus de ce clan Ekouana Ahene sur ces terres. Et c'est ainsi que la Santé Hene Osei Kwadjo va négocier auprès de Sahié Ahuasso, du moins de la famille royale de Sahié Ahuasso, pour que ces Ekouana puissent avoir des terres propres. C'est ainsi qu'on va leur céder un espace qui était une palmeraie. Voilà, c'était une palmeraie. Il y avait beaucoup de palmiers à huile dans la zone. Et c'est ainsi que disons, vers la fin donc du 18e siècle,
ils ont pu créer ce qui va être le royaume Sahir Bakwai. D'ailleurs, Bakwai, ça veut dire forêt de palmiers à huile. C'est ce que ça veut dire. Bé ou Abé, palmier, Kwai, forêt. Voilà, Bé Kwai. Donc, c'est de là que cela vient. Donc, la forêt de palmiers ou la palmeraie, si vous voulez. Et dans ce royaume de Sahir Bakwai, bon, il n'y a que trois chefferies qui gravitent autour, disons, de la famille royale Ikuona Ahene. Alors, ces chefferies-là, c'est la chefferie notamment de Khumdjibré, qui est dirigée par une famille de clan Adiana Sawa. Donc, cela veut dire que ce sont des Abradés. Et justement, ils sont venus du Wassa à Manfi. Donc, cela veut dire qu'anciennement, ils étaient dans la Kwamou. Ils étaient dans la Kwamou. Et du Wassa à Manfi, ils sont venus s'installer dans le Sahir Bakwai. Vous avez la chefferie de Atronsou, qui est dirigée par une famille de clan Asona, qui vient d'Achim Abouakwa. Et c'était pendant la révolte des Achim Abouakwa contre la domination Ashanti que ceux-là sont venus se réfugier, n'est-ce pas, dans le Sahir Bakwai. Nous savons d'ailleurs que l'Achim Abouakwa a été créée par une famille de clan Asona. Alors, la dernière chefferie qui gravite autour de la famille royale Ikuona Ahene de Sahir Bakwai, c'est la chefferie de Sukusuku. La chefferie de Sukusuku qui est dirigée par une branche collatérale de la famille royale de Sahir Bakwai. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le dernier royaume Sahir, qui est le Sahir Bakwai. Alors comme je vous l'ai dit, des Sahirs sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont dans l'actuelle sous-préfecture d'Andé, dans le département de Bongouanou. Et ceux-là qui sont venus, ce sont ceux qui ont refusé de collaborer avec les Ashanti et qui ont préféré rester fidèles au roi de Laowin, au roi Anouassama. Voilà. Mais ceux qui sont restés sur les terres Sahir, ce sont ceux qui finalement ont cédé, je peux dire, à la pression des Ashanti et se sont alliés aux Ashanti contre leur ancien suzerain qui est le roi de Laowin, le roi notamment Anouassama qui à l'époque régnait. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Bientôt, je vais parler, je pense, d'un royaume important qui est dans l'espace Bono ou dans l'espace Bron, qu'on appelle le royaume de Nkwanta. C'est important de parler de ce royaume parce que dans le Bron Diamant, si vous voulez les Abrons, le Bron Diamant en Côte d'Ivoire, eh bien, il y a des villages qui ont été créés par les Nkwanta. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon après-midi.